Bonsoir Maria Porcher. Bonsoir. Alors est-ce que vous m'entendez bien? Parce que, oui, la dernière fois qu'on s'est parlé pour feu, on était en visioconférence. Alors là, je suis très contente que vous ayez pu venir à Bordeaux. Et cette fois, on est dans un western. La première question que j'ai envie de vous poser, même si on va vraiment longuement y revenir, c'est quoi un western pour vous? Alors un western, c'est ce qu'il se passe lorsque les héros ont fait cet effort de la rupture. Une rupture, c'est-à-dire je vais le dire autrement. En fait, pour être recruté par le western, pour un personnage, pour qu'il y ait western, il faut qu'auparavant, c'est pas forcément un moment que l'on voit dans le western, il faut qu'auparavant le héros ait rompu avec quelque chose. Mais quelque chose de l'ordre, justement, de l'ordre ancien, de l'ordre établi, parfois même de l'ordre de la loi. Et c'est cette rupture qui va le projeter dans un ailleurs, dans un ouest, métaphorique ou pas, et avec en général l'illusion de la remise à zéro. Il y a quelque chose qui est très très attaché au western, c'est le fantasme qu'aller à l'ouest, c'est aller au départ, c'est aller au recommencement. Et en général, le western passe 90 minutes à prouver que c'est pas possible, que finalement le héros est d'une manière ou d'une autre toujours talonné par ce qu'il a, ce qu'il a abandonné derrière lui, que ce soit volontaire ou qu'il subisse une logique de bannissement, comme mon personnage d'Alexis, ou enfin, c'est un peu les deux. Il anticipe sur son propre bannissement, et ensuite ce bannissement va se réaliser. Et pour moi, le western, c'est ça, c'est ce qu'il se passe après, quand le personnage a fait cet effort de rupture avec l'ordre établi, que ce soit un ordre intérieur, enfin en tout cas une logique, et qu'il ait pris ce risque-là, et qu'il est confronté, et qu'il vit ce risque, et qu'il est confronté à son propre fantasme de remise à zéro. Et pour ce livre-là, qu'est-ce qui a été un peu le déclencheur? C'est le livre d'abord qui a amené au western, ou c'est le western qui a amené au livre? Alors, c'est le livre qui m'a amené le western. Au départ, ce qui a généré l'écriture de ce livre, c'est que je voulais continuer à parler des difficultés de s'aimer, ou de se rencontrer, ou de construire à la fois dans un certain âge. Alors cet âge-là, ils ont tous les deux entre... c'est pas très précis, mais je pense qu'ils ont à peu près 45 ans. Et ils ont derrière eux, ces deux personnages, toute une vie où ils ont mis le mot amour sur un tas de choses, peut-être qui en étaient, mais qui ont donné lieu à des fins, à des déceptions, à... Ils ont mis le mot amour sur des passions élémentaires et brèves, sur des échecs, sur des erreurs, sur des souffrances. Et donc, ils sont à un moment où ils n'ont pas forcément envie de continuer. Sauf que ça va continuer à se présenter. Parce que l'amour, c'est quelque chose, comme je dis dans le livre, qui repousse partout, qui se présente tout le temps, sous des formes plus ou moins sympathiques, plus ou moins attrayantes, plus ou moins dangereuses. Mais ça va se représenter. Et c'est un peu ce que j'avais commencé à faire dans mon précédent livre, oui, où finalement c'est la passion qui cueille ces personnages-là, qui présente aussi avec tous les risques qu'elle leur propose. Et j'avais pas tout fini, j'avais pas fini de dire quelque chose sur, enfin de dire ce que j'avais. C'est pas tant ce que j'avais à dire, c'est ce que j'avais envie de regarder, ce que j'avais envie d'explorer. Donc j'ai repris mes personnages, alors pas ceux-là, pas ceux de feu, mais j'ai repris des personnages caractérisé un peu socialement, un peu de la même manière, en les prenant encore après, c'est-à-dire au moment du refus, quand vraiment ils sont allés à l'ouest d'eux-mêmes, ils ont fini de s'investir, d'investir leur corps comme le champ d'une bataille qu'ils mènent contre eux-mêmes. Ils se disent, c'est terminé, je vais me réparer dans la solitude, dans la cèse, etc. Mais ça va quand même se présenter, parce que c'est un motif du western où à chaque fois qu'on pense aller à zéro, il y a quelqu'un d'autre qui a pensé la même chose et qu'on peut croiser. C'est ce qui va leur arriver. Et alors, donc on voit bien quand même l'approfondissement dans votre écriture avec feu. On voit bien que vous poursuivez une quête. Et en cela même, il y a quelque chose du western, puisque finalement, c'est un mouvement perpétuel. L'écriture, le western. Oui. Oui. Alors ça, je n'y avais encore pas pensé. Peut-être que ce qui m'a inspiré le western, c'est ma propre démarche d'écriture, où
où je romps toujours avec quelque chose pour écrire. Il faut qu'il y ait presque une mutilation d'avec mon quotidien, d'avec ma réalité, pour que l'écriture puisse advenir. Et d'ailleurs, je vais à l'ouest. Je vais à l'ouest de la France. Je vais dans le Lot en général quand je vais écrire. Donc oui, il est probable que la grammaire du western soit celle de mes habitudes d'écrivain par ailleurs. Ouais. On a l'impression que vous vous amusez beaucoup en écrivant celui-ci particulièrement. Ouais. Dans ce livre-là, je me suis beaucoup amusée parce que j'y suis pas trop comme personnage. Bien sûr, dans la trajectoire de mon héroïne, qui est une femme qui arrive à un moment de sa vie où juste après un burn-out, c'est quelqu'un dont le corps s'est rappelé soudainement à son propriétaire. Et ça, c'est des moments de l'existence. Ça fait partie de ce que j'ai connu de plus violent. Alors, ça peut être la passion, ça peut être la maternité, ça peut être la maladie, l'accident. Mais elle était un moment de sa vie professionnelle où elle accomplissait toutes les performances demandées sans joie, parce qu'à un moment, il n'y en avait plus. La performance du célibat, après avoir accompli une certaine performance conjugale, la performance sociale, professionnelle, après avoir accompli avant la performance scolaire et intellectuelle, comme tout le monde. Là-dedans, son corps n'était plus qu'une variable d'ajustement pour accomplir une performance mentale tous les jours. Et puis, à un moment, le corps a lâché. Le corps qu'on avait complètement oublié un jour de canicule a lâché. Donc, à cet endroit-là, je suis... c'est des expériences que j'ai traversées à certains moments de ma vie. C'est à la fois les plus durs et les plus intéressants. Le moment où le corps demande à être réinvesti alors que tout ce qui a été fait avant, c'était pour en faire une abstraction, depuis l'éducation, depuis... Bon, ça, c'est un autre sujet. Je pourrais passer 2 heures là-dessus. Mais voilà, à cet endroit-là, mon héroïne me ressemble. Mais c'est le seul. Et tout le reste, c'est pas moi. Et ça, c'est pas courant, forcément, dans les livres. Et Alexis, mon personnage masculin, parce que moi, je peux investir beaucoup les personnages masculins, c'est ce que j'avais fait dans Feu, où le personnage masculin disait « je », parce qu'il y avait une grande part de lui qui était moi. Là, j'ai pas ça. Et du coup, j'ai pu investir l'écriture plus comme un terrain de jeu, effectivement, où regarder mes personnages de plus loin, où décider de les aimer tour à tour, et puis de plus les aimer, et de les juger, de prendre des distances avec eux, et puis après, les embrasser à nouveau, parce que c'était pas moi. Et ça, c'est effectivement, oui, peut-être que le plaisir d'écriture que ça génère a dû se ressentir dans celui-là. Ah, mais tout à fait, c'est très jubilatoire. Et c'est paradoxal, puisqu'en même temps, le sujet même de votre livre n'est pas extrêmement drôle, on ne peut pas dire ça. Mais il y a quelque chose de parfois même un peu cynique, mais avec vraiment beaucoup d'humour. Parce que si vous intervenez, la narratrice intervient, nous prend par la main, alors on a quand même l'impression que vous nous dites... D'une certaine façon, tout ça est d'une grande banalité, non? Alors, d'une grande banalité, parce que c'est partagé. Parce que finalement, les émotions qui traversent mes personnages, en dépit de leur singularité, Alexis, c'est un comédien connu qui devait jouer Don Juan, et Aurore est la moins statue d'exception sociale, parce que c'est une mère seule qui essayait... d'accomplir la performance, encore une fois, la performance quotidienne qui était de vivre à Paris avec un job à Issy-les-Moulineaux et d'élever un enfant seul, etc. Donc oui, il y a un certain ordinaire, en fait, dans ces... Oui, plus que banal, vous avez raison. C'est plus ordinaire que banal. Vous avez raison. Je retire mon mot banal. J'étais en train d'explorer le terme que vous proposiez. Ça marche aussi. Est-ce que je veux dire que c'est d'une grande banalité? En tout cas, ce que j'aimais explorer dans ces personnages-là, c'est toutes les frustrations qu'ils peuvent partager avec nous, les détresses qu'ils peuvent partager avec nous, les grandes joies, les grandes surprises. Je pense qu'effectivement... Tout ça relève d'un universel. Et je pense que c'est ce qui fait la surface partagée de ce roman-là. J'ai pas l'impression, effectivement, de parler d'épopée amoureuse qu'on aurait été 1 sur 1 million à vivre, je crois. Puisque en plus, les personnages reviennent sur leur trajectoire amoureuse. Il y a toujours un endroit de cette trajectoire-là où le lecteur pourra se retrouver. Ouais, mais c'est là où vous êtes très très forte. C'est-à-dire que, voilà, justement, on parle
de plein de petites choses, de plein de gestes du quotidien. Il y a finalement des rebondissements comme dans un western. Il y a des surprises, il y a du mouvement. C'est une écriture très ciselée. Je suis pas la première à vous le dire, donc je n'y reviens pas. Mais en revanche, vous êtes très forte parce que on rentre, pour le coup, dans le détail de ce quotidien, de ces pensées, de ce portrait d'Aurore qui est pour Aurore. Il y a quand même des pages et des pages qui parlent évidemment à absolument tout le monde. Je pense que toutes les femmes, à un moment donné, se posent beaucoup de questions en lisant votre livre. Quand vous dites qu'elle fait un job à la con, déjà, donc elle est quand même, ça c'est assez drôle. Hein. Quelqu'un a objectivé la détresse intellectuelle d'Aurore en normes, et depuis, elle sait ce qu'elle fait, c'est bien, elle le sait. En fait, elle est de la merde, mais voilà, c'est bien. J'avais été frappée un jour par un article qui qualifiait ce qu'on appelle les bullshit jobs, ce qui avait émergé pendant le confinement, des gens qui avaient réalisé à quel point leur job était ou remplaçable ou finalement ni qualifiant pour eux, ni qualifiant pour l'entreprise. Et ils ont réalisé qu'ils étaient simplement occupés à quelque chose et que ça trahissait, que ça insultait quelque chose en eux, soit leurs compétences, soit leur âme, soit leur émotion. Et il y avait eu toute une étude sur les gens qui pensaient effectuer un bullshit job, et ça concernait tous les secteurs, hein, pas seulement les gens qui livraient les pizzas ou... c'était à tous les stades des jobs opérationnels dans les entreprises. Il y avait finalement plein de rouages comme ça qui étaient occupés par des gens qui, au moment du confinement, quand ils ont commencé à cesser de faire leur travail ou à le faire à distance, qui ont réalisé leur propre détresse, finalement, à quel point ils n'étaient pas indispensables à la machine qui s'épuisait à faire tourner. Et c'est tous ces témoignages-là m'avaient effectivement inspiré la détresse d'Aurore au moment où on la trouve. Parce que vraiment, tout le début du livre, c'est un portrait d'Aurore qui est ciselé. Il y a son boulot, puis il y a énormément d'autres choses. Je le disais tout à l'heure, tout le monde s'y retrouve, même peut-être des hommes parfois. Aurore est toujours ailleurs à chercher ce qui lui manque. Un homme, de l'argent, un orgasme, une formation, toutes choses vitales. C'est pas comme si elle cherchait du sens. Merde, j'aime bien le merde. Voilà. Vous dites aussi du temps de sa vie de couple, puis de sa vie séparée, quand elle était tout le temps dehors, elle en avait sûrement rêvé de ça, la femme au Gex-vitre. Alors, tout est dit, c'est vraiment merveilleux. Elle dit au téléphone aux amis qu'elle ne voit plus, j'ai désormais les pensées claires, Déborah. J'ai du temps à volonté, Aline. Autrement dit, elle a fait de la croyance du temps devant soi et de l'esprit libre, une matérialité tangible, de l'espace du temps plein, à ne plus bientôt savoir qu'en faire, mais qu'importe. Il y a quelque chose de l'urgence. Votre livre, en parlant du western, parle aussi de ça, c'est-à-dire finalement plus le mouvement que le sens de vers quoi on va. Ce qui compte, c'est la panique. Bah, dans les extraits que vous lisez, là, elle est à l'ouest. Elle a déjà rompu avec la logique asservissante de son travail, de sa vie parisienne, où effectivement, à ce moment-là, elle se définissait même pas comme une femme, mais comme une somme, de manque, en fait. Elle se définissait en négatif. Elle n'était que carence et anémie. Là, au moment où... les pages que vous prenez, elle est dans cette espèce d'assaise réparatrice où elle s'éloigne de Paris, elle est à l'ouest et tout, mais elle est finalement en proie à une autre illusion qui est celle du temps devant soi. Voilà, et finalement, le temps devant soi suffit comme elle ne cesse de le dire, mais elle ne parvient pas à l'occuper. Donc, finalement, ça va créer un autre vertige, mais qui va être rapidement occupé par Alexis. Et pour ce qui est du mouvement, si j'ai bien compris votre question, oui. Le western, c'est le mouvement. C'est le sens du western, il est effectivement dans le mouvement, dans le déplacement. C'est même dans la réalisation. On est tout le temps... Tout ce qui donne des... Il n'y a pas d'autre indication temporelle que le mouvement que font les héros. D'un décor à un autre, il s'agit... La grammaire du western, c'est avancer, c'est aller vers un point où on sera enfin en paix. C'est-à-dire toute la promesse du western et tout son sadisme, les personnages ne font qu'avancer vers quelque chose
qui est la promesse rédemptrice au regard de ce qu'ils ont vécu avant, de potentiellement violent, qui est la promesse de la tranquillité. Alors, soit la tranquillité conjugale, soit ils vont avoir une ferme, soit dans les premiers westerns, c'est la tranquillité après la guerre de sécession, la tranquillité entre nordistes et sudistes. Mais cette tranquillité n'arrive jamais. En fait, il y a toujours quelque chose qui vient ou l'interrompre ou l'anéantir. Et toute la beauté du western, c'est ça. C'est qu'il filme Et je trouve que ça c'est vraiment l'image de l'existence. Enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression, pour ma part, et je crois que c'est très, très partagé, on ne cesse de se promettre et d'avancer vers quelque chose qui serait la contemplation. On va le trouver. Donc, on peut se faire paradoxalement beaucoup de mal pour trouver cet âge de la contemplation, l'endroit de la contemplation. Alors, et ça n'arrive pas. Mais parce qu'on... Finalement, dès que quelque chose arrive pour mettre ça en péril ou pour le compromettre, on lui ouvre les bras, enfin, y compris l'amour, et c'est bien. Voilà, mais c'est en ceci que l'existence est un western. Et alors, si vous parlez du temps, mais il n'y a pas que le temps, il y a aussi le lieu, puisque donc ce lieu dans lequel vous déroulez western, vous dites, mais en fait, c'est vrai qu'on se demande quand même qui vient là, pourquoi. Et d'ailleurs, Aurore, elle quitte un temps, un mouvement, mais aussi pour arriver dans un autre lieu. Qui est un lieu qui est quoi, un désert de western qui est plus brude, qui est plus brutal. Alors, elle, il y a une raison, puisque il y a un héritage à un moment, c'était la maison de sa mère, donc il y a une fonction symbolique, sa mère qu'elle ne voyait plus, donc il y a une fonction symbolique à réinvestir la mère. Il y a quelque chose du terrain dans cette maison. La mère est décédée, lui laisse, elle pense, en tout cas, elle le pense. On va découvrir après que c'est pas exactement ça, qu'elle lui laisse la maison, donc elle revient vers elle-même, elle revient. Au moment où Aurore va à l'ouest, elle est malade. Elle vient de faire un burn-out, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le corps s'est rappelé à elle-même. Ce qu'elle va mettre à l'ouest, c'est son corps. Il s'agit de se soigner. Donc elle va soigner sa maison, sa peau, son sommeil. Vous dites quand même qu'elle soigne mieux sa maison que son propre corps. Oui, parce qu'elle elle se surprend à être rappelée dans des réflexes qu'elle va très vite... s'apercevoir être presque des réflexes anciens, même d'avant sa mère, où finalement le temps qu'elle a devant elle, avant de trouver l'occupation, de trouver pourquoi elle s'est mise là, en fait, bah elle va s'apercevoir qu'elle elle fait sortir des fleurs, elle brique la tomate, elle nettoie les carreaux, et puis on se dit, mais finalement la contemplation qu'elle a cherchée, elle s'exprime dans quelque chose de ménager. Mais elle en a peut-être besoin, parce qu'elle doit passer par cette fonction de nettoyage. Avant l'étape d'après qu'on découvre dans la suite du livre. Et alors dans ce rôle et dans ce cheminement, on a l'impression que elle a quelque chose de fantomatique, comme sa mère qui est donc décédée, donc qu'elle est paumée. Elle a peur, Aurore ? Non, elle a pas peur, mais elle est dans ces étapes qu'on a toutes vécues. Elle est dans une vie de transition. Et ça, c'est aussi le western. Quand on rencontre une femme dans le western. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est souvent une femme, alors, en dehors des femmes qui font figuration dans les saloons et tout, mais les femmes qui ont un vrai rôle, c'est souvent des femmes puissantes qui sont là parce qu'elles ont réussi à échapper à ce que la société, alors, en général le 19e siècle, la fin du 19e siècle, réservait à leur genre. Et donc, elles sont armées, elles savent monter à cheval, elles ont des enfants ou non, mais en général, elles sont seules. Et puis, elles sont en mesure de désarmer les hommes. Mais elles sont toujours dans des endroits de transition. Elles aussi, c'est dans le mouvement, elles vont vers quelque chose. Et en général, dans la narration, elles vont vers retrouver un homme ou en trouver un. Et ça marche ou pas. Mais, et donc, Aurore, dans cet ouest-là, non, elle n'a pas peur, mais elle est au-delà de la peur. Je veux dire, c'était la peur, elle l'a vécue, elle l'a traversée. Quand on a traversé un vrai burn-out, si quelqu'un sait ce que c'est, la peur, elle l'a traversée. Elle a eu une fausse couche, elle a eu un enfant. Elle a traversé tellement d'états de son propre corps, tellement d'états élémentaires, rudimentaires, qu'il n'y a plus grand-chose qui peut lui faire peur. C'est pour ça qu'elle peut être sur le cause du lot, toute seule, avec à peine la 4G et un enfant de 7 ans, quoi. Elle a pas peur, mais elle ne va pas forcément rester là. Quoi qu'elle se raconte, elle est dans cet instant de vie un peu en suspens, entre deux existences, entre deux de ces âges de femme. Est-ce que ça va être l'âge contemplatif? Est-ce que ça va être autre chose? Est-ce que ça va être l'âge de l'amour, si elle veut bien accueillir Alexis? Est-ce que ça va être retourné vers ce avec quoi elle a rompu?
Mais en tout cas, au moment où on la saisit, c'est une fausse paix. Et c'est un truc que c'est pour ça que le western m'intéressait beaucoup, c'est que tous les motifs que je voulais investir, le western les propose. Le western, il filme très bien ça. Ce moment de la fausse, c'est en général très inquiétant quand on voit dans les westerns, alors que ce soit un feu de camp, que ce soit une fête, que ce soit un moment où le héros de western descend de cheval et passe une journée dans un ranch où en général il y a une femme, ou qu'il fasse une rencontre qui l'apaise, ces instants-là ne durent pas. Ils ne témoignent que de la violence autour. Enfin, violence des émotions ou violence de la guerre, selon les... Moi, c'est plutôt la violence des émotions qui va revenir. Mais elle est dans cet instant-là, suspendue, qui a ceci de tragique qui ne va pas durer. Et ce vide qu'elle a, en fait, qu'elle cherche à remplir, combler, elle ne sait pas trop comment, et cette symbolique, finalement, d'une paix qui est précaire, qui est un peu factice. Pas factice, précaire, mais pas factice. Ok, c'est la vision que vous avez de l'environnement qu'on a aujourd'hui, de l'époque dans laquelle vous êtes. Moi, j'ai pas fait l'expérience qu'elle fait de... En tout cas, ce que... Dans l'époque dans laquelle nous sommes, il me semble que c'est ce que... Alors, pathologiquement ou non, c'est peut-être une névrose, mais je vois beaucoup de gens, et je l'éprouve beaucoup, rechercher cette abolition, ouais, du bruit, des relations, de toute forme d'agression, parce que tout finit, surtout quand on vit à Paris, tout finit par être vécu comme une forme d'agression. C'est l'entropie et le chaos permanent, et donc il me semble qu'on nourrit de plus en plus tôt, c'est-à-dire en termes d'âge, le fantasme du silence et de l'isolement, de l'isola, l'île. Quoi. Alors peut-être que ça a toujours été, mais moi il me semble que je rencontre de plus en plus de gens en proie à ce rêve qui est peut-être pas si émancipateur que ça, qu'il y a peut-être quelque chose de morbide aussi. Mais j'ai pas répondu. En tout cas, Aurore, elle est rappelée par l'élan vital que constitue l'amour. Elle va pas rester seule avec son gamin sur le cause du Lot, mais peut-être que ça aurait été une bonne idée, on sait pas. Mais il y a un moment où ça pourrait devenir mortifère. Et bien justement, dans cette époque que vous décrivez aujourd'hui, où finalement les gens cherchent un peu à se couper de liens, il y a un élément très important, c'est leur téléphone portable ou leur ordinateur. Et il est question de ça aussi dans ce livre, du lien que Alexis, pour le coup, voilà, ce deuxième personnage phare, hein, puisque c'est ce couple qu'on va essentiellement suivre, lui, il a un rapport aux femmes, déjà, entre autres, parce que c'est un personnage très complexe, qui passe par des SMS, et que par des SMS, quasiment. Enfin, bien sûr, et puis de la chair et du corps, mais qui a un rapport au temps avec cette espèce d'urgence, encore une fois, j'y reviens, et d'âpreté qui passe par la communication la plus tordue du monde, c'est le SMS, puisqu'en fait, on sait pas très bien ce qu'on peut interpréter et comment, ce que l'autre va interpréter de ce qu'on dit, ça, on le sait tous. J'étais encore sur l'isolement, la rupture, la paix, mais effectivement, ça va avec, non, parce que l'isolement, oui, ça va avec. Mais avant ça, effectivement, Alexis, c'est Don Juan. C'est une expression contemporaine de Don Juan, et effectivement, le téléphone, l'écriture sur le téléphone et la surface privilégiée de ses rapports amoureux, mais précisément parce que c'est Don Juan. Don Juan, dans sa... Si on revient au Don Juan, même au Don Juan de Molière, il était déjà comme ça. La principale arme de Don Juan, de sa séduction, c'est le discours amoureux. Molière le décrit très bien, bien avant même avant sa position sociale, avant son physique. Pourquoi Don Juan est si fort dans la séduction, dans le ravissement? C'est parce qu'il établit avec les femmes qu'il séduit une espèce de sédation amoureuse, d'hypnose. Et c'était ce que je voulais, réexplorer avec mon Don Juan d'aujourd'hui, qui effectivement maintient l'émotion amoureuse, maintient presque l'emprise avec les femmes qu'il a, et particulièrement l'une d'entre elles avec qui ça s'est tragiquement terminé, l'énoncé amoureux constant, par la déclaration amoureuse constante, par le discours amoureux, en fait. Le discours amoureux, il est très donjuanesque parce qu'il est désengageant. Il n'est pas conséquent,
En fait, c'est tout est virtuel, tout est dans le verbe. Et finalement, Alexis, une fois qu'il a fini de parler, que le discours amoureux a fait son effet, que la gamine, elle n'attend que lui, parce que c'est une gamine, elle est beaucoup plus jeune que lui, est complètement sous perfusion de ses énoncés qu'elle reçoit tout le temps. À un moment, cette fille ne l'inspire plus, donc il arrête. Sauf que elle ne vivait plus qu'à travers le discours amoureux. Et c'est ce que disaient aussi les proies du Don Juan de Molière. Sauf qu'on trouve ça très sympathique dans la pièce de Molière, c'est très valorisé. Le verbe de Don Juan est très valorisé. Là, le verbe du Don Juan d'aujourd'hui, parce qu'il est le facteur de l'emprise, parce qu'il la permet, il a quelque chose de criminel, de symboliquement criminel. Et c'est effectivement le fait que Alexis, lui, il va à l'ouest, le fait qu'il aille à un endroit où, a priori, il capte plus, c'est son illusion. Quand je disais, quand on va à l'ouest, on est mu par l'illusion de la remise à zéro, il y a une part de lui qui pense que, en allant dans une quasi-zone blanche, là où il n'y a pas la 4G et en balançant son téléphone, il va pouvoir renaître à un autre endroit de la société et que quelque part tout ce qu'il a fait avant c'est fini. Sauf que Western oblige, tout ce qu'il a fait avant va le poursuivre. Il se dégoûte lui-même ? Pas encore. Je pense pas à ce moment-là. C'est pas un personnage tragique, Alexis. Il a toujours un élan vital. C'est-à-dire que au moment où il comprend le premier mouvement qui le meut à l'ouest, qui le fait fuir, c'est que il comprend que la façon dont il a aimé jusque-là, les dossiers, les casseroles qu'il traîne, les façons extrêmement brutales dont il a pu rompre avec certaines femmes, celles qu'il a humiliées, même si il n'est coupable d'aucun crime pénalement reconnu et répréhensible, il est coupable de lâcheté, d'abandonnisme, de brutalité, d'effet d'emprise, enfin voilà, tout ce qui blesse non pas le corps, mais tout ce qui ne porte pas atteinte à l'intégrité de la personne, ça va être un des gros sujets d'ailleurs du livre, mais ce qui porte atteinte à l'âme, aux émotions, à la sensibilité. Et à une époque où la société est ulcérée par ses comportements et où personne ne veut plus se reconnaître dans le miroir de Don Juan, lui, comme il est assez instinctif, il pressent que ça va lui tomber sur la gueule. Donc c'est d'abord la peur et une certaine intelligence de son temps, l'instinct, qui le pousse à d'abord aller... Il pense qu'il va se mettre au vert, Alexis. Et puis, dans l'épisode où il s'est mis au vert, là, il y a une tempête médiatique qui va se lever, parce qu'il y a quelque chose... Je ne sais pas tout... Non, il ne faut pas le dire. Mais il y a un fait qui va apparaître dans les médias, qui va, là, justifier vraiment la cavale d'Alexis, voir l'effacement, voir la disparition d'Alexis. À un moment, on peut penser qu'il se dégoûte quand il est face à la réalité, parce que c'est un narcissique, et narcisse, ça range pour ne jamais être face à la réalité. Là, il y a quelque chose, puisqu'il est face à un reflet de lui-même qu'il voit passer dans le regard des femmes dont il est, par lesquelles il est aimé. Là, il va avoir affaire à... du fait des conséquences tragiques d'une de ses relations, il va avoir vraiment affaire à la brutalité de la réalité. Il va voir ce qu'il est. C'est ce qui arrive aussi au Don Juan de Molière. Mais lui, dans un élan tragique, le Don Juan de Molière, il tend la main à sa propre perte. Il tend la main au commandeur et il disparaît. Alexis, il va pas... Il est ordinaire. Il est vital, donc il est lâche, et donc il est amoureux. Et au moment où il croyait, il était presque dans une démarche suicidaire, peut-être que, comme le Don Juan de Molière, qui lui, il est vraiment, il nous ressemble plus. Donc il va être rattrapé par quelque chose, il va être rattrapé par d'autres propositions de la vie. Et non, je crois pas qu'il se dégoûte, puisque il en parle d'abord, il a chez lui le fantasme finalement très masculin de la remise des compteurs à zéro fonctionne quand même. Je veux dire, ça lui tient lieu de paradoxalement de feuille de route, oui. Une feuille de route qui peut toujours se mettre à jour. Il a quand même envie de recommencer parce oui, que oui. C'est un
il est indécrottablement amoureux. Alors, mais on ne sait pas. C'est ce qu'il y a de décevant dans le personnage de Molière, c'est qu'à la fin, il cesse d'être amoureux et il disparaît. Il meurt en fait. Et celui-là, non. Pour moi, Don Juan est le plus humain. De la même façon que quand on me parlait d'Emma Bovary, quand j'écrivais Feu, on me disait voilà, c'est fondé sur Emma Bovary. Pour moi, Emma Bovary, elle n'a rien de. Elle n'était pas assez ordinaire, pas assez humaine. Je pense pas que Emma Bovary se serait suicidée pour Rodolphe en fait. Mais c'est ce qu'il arrive quand même dans le livre. Et ben là, c'est pareil. Je pense pas que Don Juan se suicide. Je pense pas que Don Juan tend la main au commandeur pour partir dans les limbes à la statue du commandeur. Il relance les dés, Don Juan. Et donc, quand on relance les dés, c'est qu'on se dégoûte pas complètement. Oui, et puis vous en faites un personnage qui est troublant pour nous, lecteurs, puisque, ben, évidemment, selon les scènes, selon ce qu'il vit, et pour le coup, il vit vraiment des choses très différentes, avec des intensités émotionnelles très différentes. On voit bien qu'il est capable, on a envie de dire, du pire comme du meilleur, puisque, quelque part, il progresse. Mm-hmm. On a presque la sensation même que, lui, cette notion de se mettre au vert, lui réussit. Alors, je pense que ce qui lui réussit, oui, enfin, en tout cas, lui, le western lui réussit. Ouais, peut-être. Après, la fin est assez ouverte pour que je crois que lui, ce qui lui réussit, c'est paradoxalement le moment où il y a une affiche avec sa tête dessus, il y a un wanted, quoi. Vraiment, ouais. On le cherche et il tombe sur quelqu'un, donc en l'occurrence, Aurore, qui a rien de mieux à faire, qui cherche une manière d'intégrer cet homme dans sa vie parce que pour le moment, elle ne veut pas l'aimer. D'ailleurs, pour être sûre de ne pas l'aimer, c'est elle qui le colle au mur dès le début, le soir où il apparaît de l'initiative d'Aurore. Ils couchent ensemble pour que ce soit réglé, pour que l'hypothèse du désir ne vienne plus encombrer leur relation. Et ce qu'elle va lui proposer, on va comprendre progressivement dans le livre pourquoi, quel est le bénéfice pour elle, mais ce qu'elle va lui proposer, c'est de s'expliquer. Et ça, c'est ce qui n'arrive pas à Don Juan. Don Juan, dans le livre dans la société telle qu'elle est conçue, comme dans le western, comme dans la pièce de Molière, Don Juan ne s'explique jamais. Alors, il provoque un petit peu, oui, c'était. Là, il y a quelque chose d'inédit, c'est qu'elle va lui proposer de s'expliquer. C'est-à-dire, vas-y, t'as le temps, on est sur les causes du Lot, il y a rien. Les Indiens, si c'est les Indiens et toi le cow-boy ou l'inverse, sont pas encore à nos portes. Explique-nous pourquoi tu as subordonné toute ton existence au plaisir. Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment cette mécanique s'est mise en marche? À quel moment de ton enfance, de ton adolescence? Pourquoi toute ta vie, voilà, était subordonnée au plaisir? Et vraiment au plaisir comme sensation en plus, hein, pas comme hédonisme, et donc ce qui a justifié de passer de prise en prise, de femme en femme, et voilà pourquoi. Et en fait, ce qui va lui réussir, c'est cette confession là, je pense. Cette écoute aussi, alors, cette écoute aussi, parce que en retour, il écoute une femme lui expliquer pourquoi elle a pas envie de voir sa gueule, en gros, pourquoi ce qu'il représente. La débecte, ce qu'il y a encore d'aimable en lui, quelle promesse il y a encore en lui de belle, en fait. Et finalement, ça, il l'a jamais fait. Un, il s'est jamais expliqué, parce que ce qui est propre au macho, finalement, enfin, même pas au macho, mais au masculin tel qu'il a été qualifié dans le XXe siècle, l'injonction, moi, j'avais le sentiment... Je fais une digression, mais voilà pourquoi ça m'a tellement intéressé de donner la parole à Don Juan. C'est que j'ai toujours été frappée depuis l'enfance par le silence des hommes. Enfin, mon père, mes frères, mes oncles, enfin, les hommes que je voyais autour de moi, j'avais l'impression que ce silence faisait partie de la meilleure réponse à donner à l'injonction « sois un homme ». Donc « sois un homme », c'était « gagne ta vie »,« gagne celle des autres », te soucie pas de telle et telle chose, éduque des fils, mais personne ne... Mais c'était jamais parle. Et moi, j'avais l'impression que la parole était beaucoup plus distribuée chez les femmes. On pouvait même les accuser de bavardage. Mais la parole des hommes, elle s'exprimait parfois dans des formes un peu rudimentaires, comme l'énervement, la colère. Ça passait très vite, mais je les entendais jamais s'expliquer ou se plaindre.
Et il y avait une part de moi qui cessait d'investir ce silence. Mais qu'est-ce qu'il aurait à dire? Pourquoi il m'explique pas ce qui se passe? Pourquoi je sais pas pourquoi ma mère pleure? Pourquoi les hommes ne parlent pas? Voilà. Pourquoi ils se laissent ou accuser ou pas ou... Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu à ce point donner la parole à Don Juan, parce que je me suis toujours dit que s'il parlait, ça créerait une victoire par le dialogue entre nous. Beaucoup de choses s'éclaireraient. Peut-être qu'ils éclaireraient en eux-mêmes des parts qui leur restent obscures, et que c'était peut-être que le début du pseudo nouveau monde qu'on appelle de nos voeux, où il y aura une parité, où les rapports hommes-femmes seraient un peu moins complexes, où les rapports de pouvoir iraient mieux, sortir de la fameuse domination masculine. Et j'ai toujours pensé que ça commençait par là, par le dialogue. Alors je l'essaye. Je ne sais pas si ça marche, mais en tout cas, je ne sais pas si ça marche sur un plan social et si c'est même réalisable. Mais en tout cas, dans l'espace de ce roman, j'ai voulu l'essayer. Voilà, si chacun confesse sa médiocrité et ses limites, et surtout ses souffrances, si chacun revient aux origines de son propre mal, est-ce que c'est à partir de là qu'on peut se retrouver? Qui est une position éminemment intéressante là, dans l'époque que nous traversons. Et à propos de se raconter à l'autre, quand vous parlez d'Aurore, vous dites « quand Aurore se raconte, on fait toujours des choix de raccourcis, des impasses, il manque toujours quelque chose ». Et quand vous parlez d'Alexis, vous dites quand Alexis parle, la différence entre quelqu'un, lui, il incarne la différence entre quelqu'un qui s'écoute et quelqu'un qui s'avoue. C'est-à-dire que même quand ils parlent, tous les deux, ils n'ont pas la même façon de se raconter, oui. De parler. Forcément, oui. Donc ils ont, alors j'ai envie de dire indépendamment du genre aussi, de toute façon, mais ça raconte aussi que, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a une forme de réflexe au langage de soi chez les hommes et chez les femmes de cette génération là ça je sais pas je enfin en tout cas comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai souvent eu l'impression que le silence, avec ce qu'il a aussi de facile et de lâche, hein, appartenait davantage aux hommes qu'aux femmes. Après, le langage, la capacité à parler, c'est quelque ou à maîtriser le langage, et de toute façon quelque chose de très inégalement partagé. C'est pour ça que le langage est un lieu de pouvoir. Celui qui le détient, qui le maîtrise, détient une grande partie, détient un vrai pouvoir symbolique. Après, je ne crois pas que ce soit genré. Ça fait vraiment partie des choses. Alors, je sais que c'est de plaquer cette polarité un peu sur toutes les formes d'inégalité apparentes. Ce systématisme m'agace un peu en plus, donc je n'ai pas envie de le nourrir. Là, Alexis, c'est Don Juan, donc il a rodé un langage, mais comme pratique amoureuse d'une part, et en plus c'est un comédien, donc il maîtrise vraiment la langue, il maîtrise les effets de la voix, il est capable de faire mentir la voix s'il veut, mais là justement il va sortir un petit peu de ses rails. Reste que c'est quelqu'un qui sait raconter et qui sait les effets. Aurore, c'est quelqu'un qui nécessairement parle moins bien que lui, parce que ce n'est pas son métier, mais qui a une capacité, alors peut-être que là c'est plus féminin, qui a une capacité à peut-être à la réflexivité, à lancer les sondes en elle-même et à aller dire ce qu'il y a de plus brutal, ce qu'il y a de plus animal. À aller dans la colère, à aller dans des émotions plus... Et encore, je sais pas, parce que là, en disant ça, j'ai l'impression de parler de moi, ou quand l'enjeu d'explication est important, je peux aller sans problème dans l'impudeur et la décomplexion, là où des gens mettraient plus de... ce qu'on appelle de surmoi. Bon. Mais... Je ne généraliserai pas ça aux femmes en général. Mais justement, je pense que pour le coup, il doit y avoir plus d'appétit à s'expliquer. Ça, c'est
Ça, j'en suis sûre. Mais en écrivant ce livre, vous aviez envie aussi, à un moment donné, où ça s'est passé dans le déroulé du western, vous aviez envie justement d'exprimer cette vision si intéressante et intelligente, j'ai envie de dire, là, en septembre 2023, qui est celle de dire que tout n'est pas une question de genre et que déjà de s'écouter et de se parler pourrait nous faire sacrément progresser. Oui, oui, c'est ce que... Vous visiez ça. Vous vouliez parler de ça. Oui, je voulais parler de ça. Pourquoi ? Pourquoi je voulais parler de ça ? Ça me paraît urgent de... Il me semble que beaucoup, enfin vraiment, je parle d'où je suis. Voilà, nous sommes en France. Bien sûr. Nous voilà, nous sommes éduqués, urbains. Voilà. Donc, mais il me semble que dans cet espace-temps-là, beaucoup de choses revitalisent la guerre des sexes. Donc la réorganisent. On nous invite à penser beaucoup trop de choses en termes de polarité de genre. Je disais tout à l'heure, c'est une explication qui est plaquée sur plein de phénomènes. Et je pense que parfois, elle est construite, cette opposition homme-femme. Bah, typiquement, voilà, c'est la violence symbolique d'entre les violences symboliques. Et que, je sais pas, typiquement, moi, la violence symbolique que j'ai la plus observée, c'est plutôt la lutte des classes, c'est plutôt les inégalités sociales que je... Et c'est presque comme si on les oubliait un peu pour déplacer toute l'attention vers ce phénomène qui serait la guerre des sexes, alors que dans nos corps, dans nos expériences, on ne la vit pas tant que ça. Mais, encore une fois, je parle à partir de moi, à partir de nous. Je ne parle pas de la Syrie, je parle oui, vraiment de nos milieux. Et cette injonction à tout penser à travers la guerre des sexes, à un moment, elle va la produire. Il faut faire ceci en tant que femme, penser en tant que femme, se présenter en tant que femme, s'investir dans tel truc en tant que femme. Et nous, alors, enfin, je veux dire, pour moi, il y a autant de frères que de sœurs. Et cette injonction à toujours se penser parmi des sœurs contre un autre groupe. Qui pour moi j'ai été élevée avec des garçons, j'ai élevé des frères en fait. Donc ça n'a jamais été un autre groupe, ça a toujours été la même chose. Et je suis assez inquiète, de cette organisation là possible. Mais ça vous agace pas cette rentrée littéraire du coup, Maria Pourchet, où vous êtes mise d'office dans la case d'une fille qui dénonce une agression sexuelle, point. Parce que votre livre va vachement plus loin que ça. Alors, on me met parfois dans cette case, mais parfois dans l'autre. Mais pour moi, c'est vraiment la réussite de ce livre. C'est-à-dire que je voulais que, d'une page à l'autre, on ne sache plus qui est le cow-boy, qui est l'Indien. Et on l'a. Je voulais faire justement émerger toute la complexité, les nuances qui finalement demande ce truc, le camp des pour, le camp des contre, et contre quoi, puisque... Donc je crois que j'ai réussi, puisque d'une émission à l'autre, d'un article à l'autre, soit on me qualifie de woke, qui dénonce les formes d'abus sexuels, enfin d'abus larvés, soit on me dit que je suis la dernière des réacs qui défend les hommes, puisque maintenant, donc, les hommes... C'est la catégorie soudain ennemie dans l'absolu. Voilà, on élève un genre en... Enfin, j'ai entendu des trucs comme ça. Je me dis, mais elle défend les hommes. Au sens littéral, je ne comprends même pas cette phrase. Il n'y a pas beaucoup de sens. Donc vous êtes, voilà. Donc, vous êtes à ce carrefour-là. Et finalement, tant intéressant. Mieux. Oui. Voilà, je crois que la fiction, c'est le lieu de... C'est justement un des derniers lieux où on peut faire ça. On peut essayer d'écrire en évitant les clans, en suggérant plein d'hypothèses, en choisissant son point de vue, en changeant. Et le western contemporain fait très bien ça aussi. C'est-à-dire que là où c'est un genre qui avait commencé avec
une grammaire très très claire, elle est bon, elle est méchant. Plus il évolue, plus il va en gros de Ford au frère Cohen, plus les héros nagent de plus en plus dans la même zone grise où on commence à voir, on voit de plus en plus où dans les westerns de Clint Eastwood où finalement les héros on va découvrir leur face un petit peu ordurière et puis. Ceux qui sont en tôle, finalement, vont peut-être être ceux qui sont capables de faire beaucoup pour leur prochain. Et, genre, voilà, on ne sait plus qui est le shérif, qui est le prêtre. Ça devient. Je crois que c'est ce que quand je suis allée vers le western ou quand j'ai appelé ce texte western, c'est un peu ce que je cherchais. C'est un peu cette impossibilité de la perfection. Mais cette recherche de la nuance constante, ne jamais suspendre le jugement le plus longtemps possible, continuer à raconter une histoire en suspendant le jugement. Ce qui est pas, mon narrateur me sert à ce qui est pas très facile de raconter ça sans abattre le jugement du narrateur. Donc il y a des jugements qui s'abattent sur cette histoire de certains personnages par moment. Mais j'essaye que même quand un personnage abat un jugement sur le comportement amoureux d'Alexis, par exemple, qu'il y a un autre qui vienne le démentir. J'avais envie de créer ce trouble. Et on m'a dit que c'était risqué, qu'elle allait me faire allumer. Mais je pense qu'on peut encore le faire. La preuve, c'est très réussi. On peut encore rédiger ce trouble-là. Et voilà, parce que je le ressens, je le vis. Je pense que on est beaucoup à ne pas à vouloir éviter la guerre des sexes, mais à avoir le sentiment qu'il va falloir s'y rendre. Voilà, je voulais écrire ça. Mais d'ailleurs, c'est très intéressant puisqu'il y a un moment donné dans le livre où vous reprenez un vocabulaire de lutte des classes quand vous dites la victime d'un prédateur, elle est plus reconnaissante que séduite ou amoureuse. Vous dites ça à propos de Chloé. Ah, c'est elle qui le dit. Voilà. C'est Chloé. C'est pas un essai. Hein. C'est vraiment je laisse à mes personnages la responsabilité de leurs émotions et de leurs opinions. Et c'est pour ça qu'il en faut beaucoup des personnages dans un roman, pour créer la nuance dont je parle. Ok, en attendant, ce vocabulaire-là, de la reconnaissance, c'est-à-dire d'une forme du pouvoir qui, tout d'un coup, vous donne une place, mm-hmm. quand vous en cherchez une, c'est un vocabulaire de lutte des classes. L'opposition dominant-dominé, ouais. Oui, bien sûr, c'est le vocabulaire de la sociologie critique, mais qui est pas toujours opérant, mais qui là au moment où on décrit la situation, parce que Chloé c'est quelqu'un qui a vécu une situation d'emprise avec Alexis puisque c'était son prof à l'école de théâtre et finalement elle raconte comment elle a vécu dans son regard, mais ça fait ensuite l'objet d'un comment elle est née dans le regard d'Alexis, parce que c'est deux narcisses qui se regardent. Chacun regarde dans les yeux de l'autre son propre reflet, et c'est aussi comme ça qu'on s'aime. Quand on s'aime pas assez, on s'aime comme ça. On aime l'image qu'on voit passer de soi-même dans les yeux de l'autre, et inversement. Donc là, c'est deux narcisses qui s'aiment. Donc à un moment, quand les reflets changent, quand les reflets s'éteignent, ça marche plus. C'est l'illusion de l'amour en fait. Mais en tout cas, quand l'histoire entre Alexis et Chloé est détaillé dans un article de presse au moment où Alexis est poursuivi, pas par l'ordre pénal mais par l'ordre social, on parle donc d'emprise, donc de relation dominant-dominée, mais c'est aussi un vocabulaire, c'est un vocabulaire très très employé, effectivement pris à la lutte des classes puisque c'est la lutte des sexes qu'on observe. Oui, mais il y a beaucoup de pages dans lesquelles vous détaillez la confusion, ce qu'on appelle la passion, qui en fait est l'emprise, ce qu'on appelle l'amour, qui en fait est une illusion. Enfin, vous prenez le temps, justement, de vous arrêter sur de détailler le discours amoureux. Exactement. À cet endroit-là. Bah oui, puisqu'il s'agit d'instruire le procès d'Alexis. Enfin, le procès administré par un tribunal médiatique, mais il faut des pièces et il faut des analyses. Donc les pièces, c'est tout ce qu'a fait Alexis et c'est ses textos, c'est le langage amoureux et l'analyse effectivement à un moment, elle tire vers ça
une analyse en termes de rapport de pouvoir dans la relation amoureuse, si je comprends bien votre question. Oui, oui, mais la question que j'ai envie de vous poser, du coup, c'est, vous êtes choquée par l'amalgame, l'utilisation des mots au mauvais endroit, de mots qui ne sont pas utilisés pour leur vrai sens premier, aujourd'hui, dans la presse, avec laquelle vous n'êtes pas très tendre dans ce livre, avec... Je ne pense pas ne pas être tendre avec la presse, puisque j'ai... Je pense que mon personnage de journaliste, celui qui enquête sur Alexis, il a quelque chose de vertueux dans ses pratiques. Et il est animé par une vraie conviction. Et par ailleurs, j'en ai rencontré des journalistes pour comprendre comment ils travaillaient avant de faire un dossier sur quelqu'un, de placarder le nom et le visage de quelqu'un en parlant d'abus, d'emprise ou de violences sexuelles, etc. Il travaille vraiment. Enfin, celui-là, oui. Il y a des alertes. À d'autres moments, vous parlez de la radio, en fait, et on voit bien que ce qui intéresse le plus un journaliste, c'est ce qui va faire le buzz. Donc, vous parlez aussi. Alors, ce personnage-là, effectivement, en fait, vous l'entendez dans son travail. Mais par ailleurs, vous nous faites quand même un clin d'œil sur le fantasme des médias, du showbiz, de l'apparence, que d'ailleurs vous faites, sur lequel vous faites un parallèle avec le western et sur le héros qui arrive et qui est en représentation. Et il faut imprimer la légende. Voilà. Dans le western, il faut imprimer la légende. Oui, il y a du parallèle entre le journaliste et le typographe qui est très amusant. Oui, oui, mais aussi les réseaux sociaux. Enfin, pour moi, ce qui est le plus violent. Oui. Ce que vous dites, en fait, finalement, on construit un héros avec un hashtag. Dans la foule qui se jette sur les traces d'Alexis, pour moi, ce qu'il y a de plus violent, c'est ce qu'on voit d'ailleurs régulièrement, hein, c'est les appels à la mort. En fait, c'est les condamnations à mort, enfin, littérales, et anonymes, qu'on peut voir fleurir à l'endroit de certaines personnes sur les réseaux sociaux. Pour moi, ce qui est le plus violent, c'est plutôt ça. Après, non, moi, je suis jamais, pour revenir à votre question, est-ce que je suis choquée par l'emploi de tel ou tel terme? C'est le destin du langage d'être toujours manipulé, violé, détourné. Donc, comme écrivain, ça me choque pas. Ça m'a toujours intéressé. Comme je suis sociologue de formation, comme sociologue, ça m'intéresse encore plus. Parce que, comme je disais, le langage, c'est le lieu du pouvoir, en fait. Donc, non, ça me choque pas. Et l'écriture, c'est le lieu du pardon. C'est le lieu de beaucoup de choses. Dire que l'écriture, c'est le lieu du pardon, ça serait restreindre quand même le lieu du le pardon à peu d'espace. Parce que... vous lire pour moi ou dans l'absolu? Dans ce livre, on a la sensation que c'est peut-être... Je ne sais pas, je vous pose la question, plus facile d'être indulgent avec C'est le lieu de la recherche. De quelque chose qui pourrait ressembler à ça. C'est un peu fort, comme je pense, comme notion, peut-être un peu chrétien, c'est en tout cas, c'est l'endroit où on peut, ou en tout cas, Aurore par exemple, parce que cherche la possibilité de la clémence. C'est l'endroit où à une époque où on est invité à la diatribe, à trancher, à dénoncer à tous les endroits le patriarcat comme si c'était pas un système auquel on collaborait tous depuis le début. C'est l'endroit, en tout cas, de quelque chose qui n'est pas aussi stérilement radical que ça peut l'être par ailleurs. Et donc oui, comme c'est l'endroit de la nuance et de la réflexion et de la recherche, bah, ça peut conduire à quelque chose comme ça, à quelque chose comme la clémence. Je suis plus à l'aise avec ça qu'avec la notion de pardon, tu comprends. Parce que moi, je crois pas trop. Je trouve que c'est très arrogant, le pardon. Ah, oui, c'est un truc... Il y a que le Christ qui pardonne, en fait, hein, en tout cas chez les catholiques. Donc ça manque d'humilité, je retrouvais. Et sinon, pour moi, je sais que dans tous mes livres, je tourne autour d'un motif peut-être encore plus fort, mais qui est celui de la rédemption. C'est l'endroit où, comme c'est de la fiction, ben on peut donner une chance à n'importe qui. Là où la société, dans sa violence, la donnerait peut-être pas. Ou la vie ne la donnerait peut-être pas. Je m'aperçois que moi, oui, j'ai tendance
à offrir cette possibilité, cette possibilité-là à tous mes personnages, principalement aux plus lâches. Parce que peut-être que je prépare moi-même ma propre rédemption en sauvant un maximum d'ordures dans mes livres, enfin d'ordures ordinaires. Hein, mais voilà. Ce sera ma dernière question, Maria Porcher. Quel est le western qui vous fascine le plus? Alors ça, c'est on m'a déjà posé cette question, mais alors, j'aimerais bien pouvoir répondre. Voilà, il y a un western. En fait, il y en a plusieurs à chaque fois pour des raisons différentes. Les westerns que j'aime le plus aujourd'hui, c'est les westerns des frères Cohen, donc les frères Sisters, True Grit, parce qu'ils sont vampirisés par la grammaire du western d'avant. Ils ont gardé tous les codes. Et finalement, ils disent à quel point ces codes-là, donc il faut le bien, le mal, le bon, le méchant, aller à l'ouest, c'est aller à zéro, tout ça. Puis finalement, ils les humilient, ces codes. Ils les ridiculisent en faisant apparaître ce qu'il y a de désespérément humain là-dedans, qui fait que le western, ça marche jamais, quoi, parce que il y a pas les bons et les méchants, parce que les cow-boys sont pas virils, parce que la rue est vers l'or, il n'y a pas d'or, ou enfin c'est voilà tout ça et tout ça fait un bien fou en fait parce que je pense qu'il y a une grande partie de nos psychés de nos sociétés qui repose sur l'illusion du western telle qu'elle était établie dans les premiers westerns, voilà le bon, le méchant, le shérif, il est là, le prêtre, il est là, le juge va arriver en ville, il va tout régler, enfin tout ça, ça marche pas et je trouve que le western contemporain donc ouais, les frères Cohen et aussi les westerns de Clint Eastwood, j'aime beaucoup, beaucoup. Et sinon, moi, le western qui a fondé un peu mon référentiel, il y a beaucoup de gens qui diront que c'est pas le meilleur, c'est Johnny Guitar. C'est ça, c'est vraiment parce que il y a ou le brigand bien aimé, parce que il y a des figures de femmes et des figures de femmes magnifiques. Quand je disais les femmes puissantes. Moi, quand j'ai vu le western très, très jeune, je voyais pas beaucoup la télé, mais mes parents parfois sortaient la télé qui était bouclée dans un placard, soit pour les présidentielles, soit pour des instants de cinéphilie, enfin des soirées de cinéphilie qui étaient soit du théâtre retransmis, soit le western. Il faudrait que je leur demande pourquoi le western, quelle valeur morale ils prêtaient. Je les vois à peu près, mais. Et en fait, moi, c'était seulement parce que ce que je voyais du féminin autour de moi, dans les femmes de ma lignée, c'était pas des femmes puissantes au sens social du terme. C'était quand même des femmes qui subissaient, pour le coup, les résidus de la domination masculine. Enfin, même pas les résidus, le fait de la domination masculine qui s'ignorait elle-même, puisqu'elle était tellement intériorisé par la société encore très très tard. Finalement, c'est récent hein, qu'on dénonce ça, mais je voyais des femmes qui étaient dont toutes les ressources intellectuelles, qui étaient je constatais souvent que j'étais plus intelligente que les hommes, en tout cas, dans toutes les ressources intellectuelles, nerveuses, musculaires, domestiques, tactiques, étaient partaient dans le mariage, alors que les hommes, ils avaient une croissance ailleurs et que et ça, c'était très confus pour moi, ça me désespérait un peu. J'avais l'impression que c'était quand même ça la condition du féminin. C'était la condition conjugale avec une déperdition permanente des forces individuelles. Et je me disais d'ailleurs, il faut être un homme. Hein. Je me disais, il faut avoir des diplômes, il faut être écrivain, il faut être autonome. Mais pour moi, c'est parce que ça correspondait au masculin. Et heureusement, j'ai évolué un petit peu avec le temps dans cette perception-là. Mais en tout cas, dans les westerns, j'avais une fenêtre ouverte. Et c'est très paradoxal parce qu'on dit que c'est un genre macho. Mais j'avais une fenêtre ouverte sur des figures de femmes très émancipées, très puissantes, très qui montaient pas à cheval en Amazon, qui étaient dans Johnny Guitar, John Crawford, elle va chercher les armes jusque dans la selle parce qu'il dit qu'il est désarmé. Puis en fait, c'est pas vrai. Elle le sait. Elle va le désarmer, mais jusque dans les bottes. Il a plus un couteau sur lui et tout. Et ça, je me souviens, j'avais vu enfant ce truc. Je me suis dit, mais voilà. J'avais trouvé ça. Ça m'avait donné beaucoup d'espoir. Je pense que c'est bien de finir sur ça. Merci beaucoup, Maria Porcher.
Merci à vous.